Bonjour les amis, je m'appelle Kaya et je manipule l'air. Regardez ce que je sais faire. C'est cool, non? Mais je suis aussi l'étudiante la plus pauvre de l'université. Tu peux m'aider en biologie? On va voir ce qui va se passer. Au travail, mes chéris. Oh! Elle devrait faire attention, elle marche. Et voici ma sœur Jacqueline. Son élément est la terre. Elle aime faire pousser des fleurs et se moquer de moi. Quelqu'un veut se rafraîchir? Ah, tu as vu sa tête? Oh, il y a une fuite. Ça va gâcher mon maquillage. Tu as eu ce que tu méritais. Et sérieux? Et voici mon autre sœur, Alice. Elle a le pouvoir de contrôler l'eau. Salut mes sœurs, j'ai des cadeaux pour vous. Vous allez adorer. Waouh! Oh, c'est gentil de ta part. Je suis la gentillesse incarnée. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Et c'est... Tu es sérieuse? Des pancartes? De l'argent pour manger? Les pauvres comme vous en ont besoin. Pire que l'eau, il y a... Oh, merci. De quoi je parlais? Oh oui. Celle qui est pire que l'eau, c'est ma troisième sœur. Marie. Une fille avec un tempérament de feu. Au moins, l'argent n'a pas été dépensé. C'est pour toi, eau. Quoi? Une pancarte en or? Marie! Quatre filles, quatre éléments. Nous sommes toutes différentes. Comment se fait-il que nous soyons sœurs? Je dois aller au magasin avant que ça ferme. Oh, quel joli bébé! Cette petite sera ma descendance. Et je vais adopter celle-ci. Je vais bien m'en occuper. Au revoir! Oh, il reste encore un bébé. Tu es calme et tranquille. Tu ne pleures même pas. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais comment pourrais-je te laisser ici? Waouh, quelle belle coiffure! Et tu as de super pouvoirs! C'est décidé, tu viens avec moi. On a été adoptés par des parents différents. Marie est la plus riche de la fac. Je veux dire, presque la plus riche. Waouh! Ce gars s'appelle Jet. Il est millionnaire et c'est le gars le plus populaire. Oh, il est beau! Je n'ai aucune chance avec lui. Je suis en fleur quand je suis près de lui. Hey, j'ai cours de l'autre côté. Oh, mes livres! Elle est bête. Désolée, je suis maladroite. Non, c'est de ma faute. R est en train de flirter avec lui. Pour qui elle se prend? Tu as oublié ton cahier? Eh, beau gosse, on va encore ensemble? J'ai encore tout gâché. Les mecs cool comme lui ne sont pas pour moi. Chaque fille a un bureau qui correspond à son élément et à sa situation financière. L'eau a une baignoire luxueuse, le feu a un trône et la terre a un mini-jardin. Et Kaya a un bureau classique en carton. Allez, assis-toi. Aïe, où est ma chaise? Jacqueline, c'est tes branches. N'en fais pas un ouragan. C'est gênant. C'est drôle. Allez, boude pas. Tu sais quoi? Tu piques comme un cactus. Pleure encore, tu aideras Alice à remplir sa baignoire. Le verre n'est plus à la mode depuis longtemps. Quoi? Arrêtez de faire du bruit. Vous perturbez les autres élèves. C'est autorisé, ça? Alice, on est dans une salle de classe. Qu'est-ce que cette baignoire fait ici? Monsieur Sanders, ne vous énervez pas. On pourrait faire un marché. Oui, vous avez raison. Le plus important, c'est que vous soyez à l'aise. J'ai même un cadeau. Je déteste le jaune. Je n'avais pas pensé à ça. C'est mieux? Le bleu est ma couleur préférée. C'est joli. Merci, ça m'aide à me concentrer. J'adore ce genre de jouet. Ne soyez pas jalouse. Ça manque de feu ici. Tout est ennuyeux. C'est bien d'être riche. On peut tout se permettre. Pas vrai, sœurette? Ah bon? Ok. Alors, pour information, on peut faire de l'or avec du charbon. Alors, fais comme ton poisson et ne parle pas. Waouh, je ne savais pas. Mais qu'est-ce que tu as contre mes animaux? Qu'est-ce que mes sœurs font? J'en ai marre de cette couleur et mes ongles sont trop longs. Je vais faire une manucure. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça me plaît. Une jolie manucure dans la vigne. Vous ne savez pas faire ça? C'est pas mal. Je n'ai pas envie de creuser la terre.
Je n'ai qu'à mettre mes mains dans l'eau. Et voilà! Un style unique qui complète mon look. Waouh, c'est impressionnant! Et Marie? La jeune fille de feu a une technique plus classique. Mes ongles brillent! Kaya peut sûrement faire une manucure élémentaire aussi belle que ses sœurs. Bon, si je ne sais pas, je ne saurais pas. Ça a marché! Oh non! Si les filles voient ça, elles vont se moquer de moi! Il faut que je trouve une solution d'urgence. Il y a bien quelque chose. Des gants? Oh super! Personne ne verra ce truc honteux. La classe est bien calme. C'est lui! Enfin! Salut Jet! J'ai raté quelque chose d'intéressant? Pas encore! Il ne doit pas me voir comme ça! Chariot du concierge, aide-moi! Oh, j'ai une idée! Si papa découvre que j'ai abîmé la brosse, il sera en colère! J'ai besoin d'un déguisement. Il manque quelque chose. Là, c'est parfait. Ça va? Je m'assois où? Je dois balayer le sol. Tous les sièges sont pris. Tu peux t'asseoir à côté de moi. Quoi? Vraiment? Faut pas oublier ça, alors. Je vais te montrer. Ça chauffe. Ma main. Je dois sortir. J'ai oublié un livre dans le casier. Oui, va nager. On va discuter pendant ce temps. C'est chaud! Et tu veux t'asseoir à côté de moi? Avec plaisir, si c'est pas trop serré. C'est une jolie plante. Je me demande ce qui se passerait si j'y mettais le feu. Non, arrête! Ne fais pas ça! Ok, je m'assois pas. Elle est bizarre. Ta proposition tient toujours? Bien sûr. Je devrais peut-être lui parler. Non, c'est une mauvaise idée. Je ne peux rien faire. Dites dans les commentaires si je dois me battre pour mon amour. Parce que je pense que c'est inutile. C'est quoi? Il y a un bal masqué vendredi? Est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Je n'ai pas d'argent pour une robe. Alors je vais la faire moi-même. Super, j'ai déjà le patron. Je choisis quelle couleur pour le tissu? Il faut que ce soit léger. Je pense que le rose serait bien. Kaya veut vraiment impressionner Jet. Et le bal est l'occasion parfaite. Elle s'applique donc beaucoup pour la conception de sa robe. En réfléchissant aux moindres détails. Je dois choisir le fil. Ça, c'est la couleur de l'eau. Ça ne va pas. Ça non plus. Et ça? Non. Oh, c'est exactement ce que je cherchais. Ma robe doit être parfaite jusqu'aux moindres détails. Il me faut ma machine à coudre. Mais c'est lourd. J'ai oublié? J'ai des super pouvoirs. Super. Livré dans mes mains. Les matériaux sont prêts. Je peux me mettre au travail. Ruban, tissu, on coud tout ensemble. La patience et la précision sont des qualités nécessaires à la couture. Et R possède cette qualité. La robe est prête! On enlève la table. Il est temps de voir le résultat. Cette fille a du talent pour faire des tornades, mais aussi pour la couture. Cette robe est si légère et aérée comme un nuage. C'est bien que je me sois décidée d'aller au bal. J'ai hâte de voir la réaction de Jet. Je vais me maquiller. Oh oh! Quelle heure il est? Je dois me dépêcher. Il faut pas que je sois en retard. Je me demande qui Jet va inviter à danser. Moi, évidemment. Ouf, je suis à l'heure. J'espère qu'il y aura cette fille pour pouvoir lui rendre son gaillet. Le voilà! Il est beau dans ce costume. Bonjour Jet! Vous êtes superbe. Merci. Marie de feu veut épater tout le monde. Attention à ne pas brûler. Quoi? Tu as une petite amie? Non, mon cœur est libre. Ça ne va pas durer. Je ne vais pas le laisser m'échapper. Je dois me débarrasser de mes rivales. Pourquoi ça sent brûler? Oh non, mon petit Grigny! Tiens bon, maman va te sauver. On est tout seul. Oh, Marie! Bonjour, ma sœur d'eau. Ne rêve pas, ce tour ne marche pas avec moi. Ne me sous-estime pas. Ah oui? Tu sens aussi la tension? Pauvre Jet, il est pris entre deux feux. Ou plutôt entre feu et eau. On passait un moment merveilleux ensemble. Oh! D'où vient cette tornade? Kaya? Elle a fait une entrée remarquée. C'est beau ici. Waouh! C'est la fille de la fac. Elle est si jolie.
Je crois que c'est à toi. C'est si romantique, c'est le coup de foudre. C'est comme dans la série. Mon journal intime. Je suis contente que tu sois venue.